Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous débarrasser des malédictions générationnelles. Donc pour ça, vous avez besoin de la cendre et du sel et un gel de douche quelconque. Donc je fais pas de pub, mais un gel douche, ok? Donc voilà mon gel douche. Pour faire la cendre, vous allez me dire, je suis en Europe, je n'ai pas de cendre. Donc tu fais brûler du papier, tu fais brûler n'importe quoi que tu peux trouver à la maison, tu fais brûler et après tu obtiendras de la cendre. Donc, dans ton bol, tu vas mettre quoi? On va dire une cuillère de cendre. Voilà, une cuillère à soupe de cendre. Bon, je vais mettre une quantité non déterminée de gel. OK? Comme ça. Plus tu en mets, mieux ça vaut. OK? Donc, on va dire cette quantité de gel. Et je vais rajouter du sel. Donc, une cuillère de sel. Voilà. Le but, c'est de faire quoi? C'est d'enlever les malédictions générationnelles qui sont sur toi. Donc, tu vas prendre ton psaume 35 et le 91. Tu vas donc mélanger tout ceci et tu vas lire ton psaume. D'accord? Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Donc, vous voyez, tu vas lire tout ça. Et en lisant ton psaume 35, tu vas tourner. Donc, je vais donc arrêter la caméra. Je vais lire le psaume dessus et je continue de remuer. Dans un seul sens, s'il vous plaît. Donc, voilà ce que j'ai maintenant. Tu continues à tourner, bien sûr, dans un seul sens, en disant ce que toi-même tu désires. Ok? Ça, c'est dans le cas des gens qui ont des malédictions générationnelles énormes sur leur vie. Cycle répétitif. Tu vis les mêmes choses que ta mère. Tes enfants n'avancent pas. Les hommes te promettent des choses qu'ils ne te donnent pas. Tu perds toujours de l'argent. Tu es endetté. Voilà. Donc, quand tu finis, tu auras ce genre de mélange. C'est le gel douche cendre. Et après, ce mélange, tu vas donc l'essuyer sur ton corps. On lui a demandé à un cobaye de venir. Mon frère est venu pour faire le cobaye. Donc, tu prends le gel, tu le frottes sur tout ton corps. Voilà. Éternel, je me libère. C'est toi-même qui fais ceci sur tout ton corps. Et le visage, la tête, les pieds, partout. Je me libère de toute malédiction générationnelle. J'enlève tout mauvais sort sur mon corps. J'enlève toute mauvaise insigne qu'il y a sur moi, Seigneur. Tu vois ça, tu frottes tout ton corps en parlant. Et puis, tu mets de l'eau dans un seau avec du sel. Tu lis le sel, tu lis le psaume 35 et 91 sur cette eau. Et après, tu te laves. Tu peux faire ceci le matin, on va dire à 3 heures ou 6 heures ou 12 heures. Et pour les musulmans, vous ne lisez pas de passage biblique. Voilà, parce que j'ai souvent des commentaires de musulmans. Après, tu laves donc tout ça. Tu fais ça avec un jeûne généralement. 3 jours. Voilà, merci.